Reste là. Non, reviens. Ne me laisse pas toute seule. Coucou Ségolène, comment ça va? Bonjour Bastien, ça va et toi? Bah ouais, bah ça va tranquille. Merci de me donner un petit peu de ton temps parce que là c'est la grande ligne droite avant le début des festivités du Mama. Ouais. Comment ça se passe? Comment on se sent à l'intérieur là de la boutique? Ça va? C'est pas trop la crise? Tout est en place? Non, on a d'y être. Non, tout n'est pas en place, jamais. Je suis moins 5, c'est pas possible. Faut apprendre à trier les urgences. Donc tout est urgent, mais il faut quand même prioriser les choses. Et non, on a d'y être. Ouais. Vraiment. Alors du coup, ce Mama Festival là, c'est assez particulier. C'est pour ça que je voulais aussi venir à votre rencontre pour comprendre. C'est pas forcément compréhensible de la part du grand public, mais c'est justement un festival, mais aussi un rendez-vous professionnel. Il y a des conventions la journée et des concerts le soir. Comment ça se déroule exactement avec tes propres mots? Qu'est-ce que ce festival? Alors, ça dépend, tu veux parler du festival ou... Bah ouais, mais en fait, donc c'est différent du coup, c'est deux choses différentes. Non, ça dépend pour qui. C'est-à-dire que la journée, t'as toute la partie effectivement avec conférences, débats, keynotes, ateliers, rencontres en tête-à-tête, autour d'apéro, de gathering organisés par différentes personnes. Pour les professionnels. Pour les professionnels au sein du Mama. Et puis le soir... Enfin, le soir, ça commence pas très tard hein, non plus. Premier show, il est à 19h15. Le soir, tu as la partie festival qui, pour le coup, est mixte. Et pour le public parisien et autres, d'ailleurs, parce qu'on a même eu des Allemands qui sont venus l'année dernière. Les professionnels qui ont évidemment encore accès à cette partie-là. Et donc, du coup, c'est un marché des musiques plus. Donc, les professionnels vont venir voir des artistes en découverte généralement pour pouvoir se donner une idée et éventuellement les booker ou pourquoi pas les manager derrière. Voilà, c'est un mélange de choses. Il y a des artistes français, des artistes internationaux, européens, mais pas que. On a des Américains, on a des Canadiens, on a un groupe chinois, on a un groupe sud-africain, on a un groupe du Congo. On a des groupes qui viennent d'un peu partout. Et qui restent des découvertes pour la grande majorité. Pour la plupart, sont des découvertes, pas que. Quand même, il n'y a pas que des newcomers tout le temps. Effectivement, on est sur une présentation d'artistes au public et aux professionnels. Et donc, il y a évidemment pas mal de nouveautés, mais aussi des artistes qui sont en pleine actualité, qui sortent un nouvel album, un nouveau live, qui viennent montrer, etc. Sur la partie professionnelle, ils vont chercher différentes choses. Ça dépend vraiment de leur profil, de leur gabarit, d'où ils viennent aussi. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, ils peuvent chercher à la fois des gens pour les entourer sur des territoires particuliers, pour travailler avec eux sur leur tour, sur leur tournée, je sais pas moi, en Amérique du Sud par exemple. Ils vont chercher un agent sur l'Amérique du Sud, aussi bien qu'ils peuvent chercher quelqu'un en édition ou des labels sur d'autres territoires, etc., voire peut-être en France. Et aussi, puisqu'on en a beaucoup, des programmateurs de festivals, de salles, des producteurs locaux, etc., de France et d'ailleurs européens et plus. Et alors du coup, cette programmation, tu t'en occupes un peu directement, justement. Comment ça se travaille, une programmation comme le Mama, où il y a 128 artistes, une trentaine d'artistes qui viennent jouer, quoi, groupes et artistes. Comment on fait pour avoir une cohérence entre des gros noms qui vont attirer le public et des noms un peu moins connus, mais qu'il faut justement faire découvrir? Comment ça se travaille, tout ça? Bah, la cohérence, elle est vraiment dans la pertinence d'avoir ces artistes-là sur ce type d'événements mixtes, justement. Donc il n'y a pas vraiment de cohérence esthétique ou artistique, la question n'est pas là. Et il n'y a pas forcément non plus de cohérence de taille, on vient d'en parler, de nouveautés, des choses beaucoup plus installées, voire carrément des invités de marque. Quand on a quelqu'un comme Christophe qui vient faire en intégralité tout son dernier album avec tout son groupe, ça va être, je pense d'ailleurs, assez magique. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Ou quand on a des gens comme la fine équipe qui viennent, etc., c'est des gens qui sont déjà connus, qui sont déjà installés et qui viennent qui nous font... Qui viennent justement pour attirer le public qui viennent rencontrer à la fois leur public et les retrouver, et surtout, hein. Voilà, surtout les retrouver au Mama, parce que ça peut être aussi un moment de rendez-vous, comme Youssoupha qui finit sa tournée chez nous. C'est aussi parfois des moments de fin comme ça un peu chouette, ou des moments de début. Christophe par exemple n'a absolument pas fini, il va jouer à Playel en janvier. La tournée n'est pas finie, au contraire, c'est vraiment plus un cadeau, un plaisir et une envie de leur part d'ailleurs
de venir se produire là. Parce que cette construction-là, on essaye de faire des choses un peu cohérentes en termes de style ou de groupe qui pourraient parler à différentes personnes. Et là, pour le coup, en mixant du connu, de l'inconnu, du newcomer ou de l'installé, et où on peut retrouver parfois une cohérence de genre ou en tout cas d'atmosphère, d'envie, etc. Pour un public ou des professionnels, parce que comme on est sur un fonctionnement en fait de bracelet pour tout le monde, c'est-à-dire que les pros comme le public ont tous un bracelet qui leur donne accès à l'ensemble des salles du MAMA. C'est pas juste tu achètes un billet pour aller voir tel concert dans telle salle. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'idée, c'est de se balader, d'aller voir des choses, alors de se faire son propre planning. Et parfois, tu t'atterris quelque part, tu sais pas où tu vas, t'as voulu rentrer dans la salle d'à côté, t'as pas pu parce que t'es arrivé trop tard. Le show est commencé depuis 5, 10, 20 minutes et la salle est pleine. Tu peux pas rentrer, tu vas à côté et là tu tombes sur un groupe que tu connaissais pas. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers retours d'ailleurs du public quand on a fait des tests, quand on a fait gagner quelques passes pro à des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le business de la musique et qui ont commencé à se balader et qui ont trouvé ça génial et qui nous ont fait des retours en disant c'est super, j'ai découvert tel groupe que je connaissais absolument pas, je me suis pris une claque, ou à l'inverse j'ai revu machin que j'adore et c'était un moment spécial. Enfin voilà, on a vraiment voulu que c'est pas vie ma vie de professionnel, c'est pas vraiment le public vie ma vie de professionnel, mais quelque part il y a un peu de ça, mais on a vraiment voulu que l'expérience soit la même pour tout le monde. Ouais, parce que justement une autre particularité du festival, et pour bien préciser ça, c'est que le festival prend ses quartiers dans le quartier de Pigalle et de Montmartre, ouais, dans plusieurs salles. Et parce que quand on a 130 concerts à Rock en Seine, c'est facile, ils vont avoir 5 ou 6 scènes. Ben vous avez combien de scènes en tout? Une dizaine, j'imagine. Il y a des scènes, il y a des bars, il y a des... En tout, il y a 13 lieux. Il y a 13 lieux, et donc du coup, ben voilà, c'est comme tu disais, les gens vont au fur et à mesure de leur envie, de leur planning, des découvertes qu'ils veulent faire, des styles de musique que vous proposez, ils vont surtout à la découverte d'une curiosité musicale. Ouais, tout à fait. Alors, c'est ça, parfois, ouais, en allant voir les artistes qu'ils aiment déjà, bien sûr, évidemment. Mais il y a vraiment cette idée de parcours de balade. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un site, d'un festival, vous prenez l'exemple de Rock en Seine, mais ça peut être plein d'autres festivals d'été. Oui, où il y a un site à proprement parler, où on rentre. Il y a une entrée, une sortie, t'arrives ton bracelet, une fois que t'es sur le site, tu te balades où tu veux. Là, finalement, il n'y a pas vraiment de site. Enfin, on va pas mettre des ganivelles dans tout Montmartre et dans le haut et dans le 9e et le bas 18. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais finalement, il y a une forme de site qui se crée par la géographie des lieux. Parce que finalement, tout le monde navigue dans le même périmètre en permanence toute la soirée, donc tout le monde se voit. Ok. Ça fait combien de temps que tu travailles pour ce festival, toi, personnellement ? Moi-même, je travaille pour le MAMA depuis la première édition parisienne. Donc depuis... Oh, ça fait longtemps. Depuis 2010. 2010. Ouais. Et du coup, alors tu dis parisienne parce qu'il y avait d'autres éditions auparavant dans d'autres villes de France ? Oui, il y a une sorte de première édition, d'édition zéro, on appellera ça un peu comme on veut, en 2009, en amont du Printemps de Bourges. Donc les deux jours qui précèdent le début du Printemps de Bourges, en fait, c'était le lundi et le mardi. Donc avec déjà des conférences et des showcases, des artistes présentés en showcase le soir. Et c'était à l'époque réservé aux professionnels, puisqu'il y avait le Printemps de Bourges étant un festival qui est très pro aussi, ouais, où beaucoup de pros se déplaçaient et se déplacent toujours d'ailleurs. Donc il y avait une certaine logique là-dedans et ça a permis de lancer un peu l'édition. Et ensuite, ils ont décidé de monter l'opération sur Paris, ce qui est pas simple du tout, ouais, logistiquement parlant, et en même temps qui est plus pratique puisque la France est faite de telle façon que d'un peu partout en France, c'est plus facile de rejoindre Paris que d'aller ailleurs en province. Et venant de l'international, forcément, Paris est très très bien desservi en termes d'aéroport, de gare, etc. Et puis surtout, ce quartier aussi de Pigalle et Montmartre est très bien desservi en Seine et en lieu pour faire la fête. C'est un quartier historique, quoi. Donc, Le choix du quartier est super important et pas anodin, en fait. C'est que c'est vraiment le quartier de ce qu'on appelle pompeusement les musiques actuelles. C'est ce qu'on présente d'ailleurs. En gros, ça regroupe à peu près toutes les musiques en dehors du classique, vraiment, parce qu'il y a des choses un peu hybrides, mais du vrai classique, du vrai classique, de l'opéra et de la musique concrète, quoi. C'est un peu les seuls types de musique qu'on va pas retrouver là-dedans. Et c'est vraiment le quartier de ces musiques-là, des musiques populaires, c'est un quartier qui est vivant et qui a beaucoup de scènes.
Donc c'était hyper logique finalement de faire cet événement là-bas. Donc c'est tout naturel que justement on va se retrouver donc le 12, 13, 14 octobre, hein, c'est ça, je ne me trompe pas des dates. Tout à fait, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Et du coup, juste pour comprendre, toi, c'est quoi ton meilleur souvenir du MAMA, vu que j'ai l'impression que tu les as tous faits. Qu'est-ce qu'on retient du MAMA Mon meilleur souvenir, c'est... alors ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que le MAMA pour moi c'est un marathon, vraiment. Je vois beaucoup de monde sans voir personne. Je vois beaucoup d'artistes mais en ne faisant que les croiser. Je vois rarement un concert en entier. Même s'ils sont assez, certains peuvent être très courts, c'est très très rare. Et donc j'ai plein de souvenirs, j'ai plein d'émotions, j'ai plein de choses. Je crois que les meilleurs souvenirs qu'on a, en fait, c'est pas tant les souvenirs sur place que de voir derrière ce qui se passe pour les artistes. Parce que forcément, toi, tu le vis directement et tu peux pas forcément être dans le public à vivre des concerts. Exactement, ouais. Donc c'est assez différent comme expérience. Ouais. Et pour le coup, c'est pas tant le souvenir plutôt que de voir que des artistes qu'on a essayé de mettre en lumière, qu'on a mis en avant, etc. Même si, évidemment, c'est pas que grâce à MAMA, bien sûr. Mais que pour eux, il se passe des choses et des belles choses. Et qu'ils avancent dans leur carrière. Pour beaucoup, ça a été un tremplin, j'imagine, justement, ce passage au MAMA. Oui, bien sûr. Dans cette programmation 2016, hein, s'il y a 2-3 noms de personnes qu'il faut absolument pas louper, selon toi, toujours, ça serait qui? Non, j'aime pas ça. Tu veux pas donner des préférences? J'ai programmé 128 artistes, c'est pas pour dire, faut aller voir ces trois-là. Non, après, il va y avoir des beaux moments. Je parlais de Christophe tout à l'heure, parce que c'est quand même pas rien. Je pense que ça va être un très beau moment. Et après, il y a plein de petites choses et il y a plein d'artistes un petit peu installés qui vont faire vraiment des premiers lives. On va avoir des gens comme Nouvelle Vague. C'est le premier live de leur tournée européenne. Ils partent en tournée européenne après. Donc ça va être vraiment leur première date. Il y a Pellegrim qui vont nous montrer aussi leur nouvelle scéno. C'est vraiment un nouveau live entièrement. Il y a plein de choses comme ça. On va avoir une super belle soirée axée autour des spectacles vidéo à FGO Barbara le vendredi soir, le vendredi 14. Et puis après, je vous conseille de vous pencher sur tous les noms que vous connaissez pas, parce que là-dedans, il y a vraiment des trucs. En fait, grosso modo, le mot pour la fin, c'est de vous faire confiance, d'aller voir les artistes, de pas se dire ok, je connais pas, donc du coup ça va forcément pas bien, parce que c'est là où on fait les meilleures découvertes. Exactement. Et justement après, il faut se laisser aller, quoi, tout simplement se balader. C'est tout à fait ça, très bien résumé, merci Bastien. Merci Ségolène, merci pour ce café, merci pour ton temps et bon courage, hein, pour ces prochains jours. Merci Ciao. Beaucoup.